Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce petit sac. Il a un fond large et plat, deux petites poignées, la base mesure environ 16 cm sur 26 et il a une hauteur de 16 cm. Pour le confectionner, il vous faudra le gabarit qu'il faudra couper 4 fois, 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu intérieur. Ici, c'est à couper avec le pli pour obtenir ceci. 4 bandes de 10 cm sur 28, 2 dans le tissu extérieur et 2 dans le tissu intérieur. 2 bandes de 42, deux bandes de 42 cm sur 8 cm. 44 cm de fermeture à glissière et 2 rectangles de tissu de 3 cm sur 5. On commence par assembler les bandes de 28 cm avec le corps du sac, endroit contre endroit sur toute la longueur. On vient ensuite ouvrir la couture, repasser et thermocoller les 4 morceaux. Je viens préparer mes deux petits rectangles en repliant 1 cm de chaque côté dans le sens de la longueur et en repliant en deux. Ensuite, je vais border les extrémités de la fermeture à glissière. Et je viens piquer. Je reprends le corps, la partie extérieure, et je plie en deux pour avoir le milieu. Je vais placer une épingle. Et je vais prendre un repère à 5 cm de chaque côté de cette épingle. Et je viens y placer ma poignée, comme ceci. Je les ai épinglées. J'ai retiré les épingles ici, mais je vais garder celles du milieu. Et on va piquer les poignées à 3 mm du bord. Alors, je prends le milieu de ma fermeture à glissière et je place une épingle. Je fais correspondre les épingles, la fermeture à glissière, le côté endroit sur l'endroit du tissu extérieur. Et je vais épingler ensemble. Je viens ensuite ajuster à l'épingle pour préparer l'assemblage. La fermeture à glissière est ouverte et je vais piquer le premier côté. Pour cette couture, il vaut mieux prendre le pied presseur adapté à la fermeture à glissière. J'ai pris le milieu de la partie doublure et je vais assembler la doublure avec la fermeture en positionnant les tissus endroit contre endroit. J'ajuste et je pique. Je garde bien le repère du centre de la fermeture à glissière. J'ai le centre de l'autre partie extérieure. On fait correspondre les épingles endroit contre endroit et on va ajuster l'assemblage de la fermeture. C'est épinglé, prêt à être piqué.
Donc là, les opérations sont exactement les mêmes que le premier côté. On assemble la fermeture avec la partie extérieure et ensuite avec la partie intérieure. On peut retirer les épingles. On va maintenant assembler le bas, donc côté doublure, côté extérieur, le côté extérieur sur toute la longueur, le côté doublure, on laisse au milieu une ouverture de 12 cm. Il faut maintenant venir finir de piquer les côtés. Donc, comme ceci, on va piquer du bout jusqu'à la fermeture à glissière. Alors, c'est plus facile de voir comme ça. Donc, ici, vous avez la fermeture à glissière. Là, le bas de chaque côté. Et il faut piquer ici. Ainsi que l'autre côté, ici. Et pour que ce soit plus facile, vous crantez l'autre côté sur 8 mm. De manière à pouvoir bien mettre la couture à plat. Alors, je viens ouvrir ensuite le bas. Je superpose la couture du fond et la couture de côté. Et ça va former la base de notre sac. Et on prépare la base de la partie intérieure de la même manière. On vient ensuite piquer sur toute la longueur les parties intérieures et extérieures. Alors, je suis venue retourner le sac par l'ouverture qui est dans le fond. Ensuite, je passe par la fermeture à glissière qui est restée entrouverte. Et on vient bien ressortir les angles. Et on va refermer le fond avec une petite pique. Une fois cette dernière piqûre faite, votre petit sac est terminé. À vos machines!